Über Nacht ist eine kleine Stadt berühmt geworden, die Stadt Bresol in Burgund. Dort sollen drei Gammas vom Stern Gamma gelandet sein. Absonderliche langhaarige Wesen in einer offenbar unbrennbaren Holzkugel. Der Bürgermeister von Bresol wollte den Gammas einen großen Empfang bereiten. Doch der Polizeikommissar bestand auf einer Untersuchung. Man fand bei ihnen nicht Waffen, sondern Pilze, Blumen, Blätter und eine tote Maus. Doch als man die Gammas fotografierte, lösten sie sich plötzlich auf. Sind die Gammas nur eine Halluzination oder gibt es sie wirklich? Die ersten Fernseh- und Pressereporter aus Paris sind schon im Ort. Was sagt man in Bresol? Man sagt, die Gammas seien da. Man sagt auch, dass es gar keine gibt. Durch den Ort geht ein Gerücht. On dit que. Les gamins existent. Et vous avez vu les gamins? Vous les avez vus vraiment? Non, mais la radio, la télévision. Mais vous, vous, vous avez vu les gamins? Non. Voilà, les gamins n'existent pas. Il n'y a pas de gamins. Mais si, il y a des gamins. Mais non! Bonsoir, messieurs. Je viens de Paris. Je suis journaliste. Ah, vous êtes de Paris? Vous êtes journaliste? Mais oui, messieurs. Je suis journaliste. Je viens de Paris. J'ai ma carte de presse. De Paris? Oui, de Paris. Et vous cherchez les gamins? Oui, je cherche les gamins. Chut! Où sont-ils? Je ne sais pas. Où sont les gamins? Et vous, monsieur? Ouais, moi non plus, je ne sais pas où sont les gamins. Mais... ils sont à Bresol. Non! Les gamins ne sont pas ici. Ils ne sont pas à Bresol. Les gamins n'existent pas. Merci, monsieur. Les gamins existent. Ils sont à Bresol. Dans notre ville. Non, ils ne sont pas à Bresol. Vous êtes de Paris? Oui. Et vous cherchez les gamins? Oui, je suis de la télévision. J'ai ma carte. Je veux filmer les gamins. Je veux les filmer. Vous ne pouvez pas les filmer, monsieur. Non, vous ne pouvez pas les filmer. Pourquoi, monsieur? Parce qu'il n'existe pas, monsieur. Il n'y a pas de gamma. Merci, monsieur. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, monsieur. Je suis journaliste. Je suis de Paris. On dit à Paris que des gamas sont à Bresol. Ici, on dit... les gamas existent. On dit aussi que les gamas n'existent pas. Mais vous, qu'est-ce que vous dites, vous? Moi, je dis que les gamas existent. Et moi, je dis que les gamas n'existent pas. Et moi, je pense que les gamas existent. Ils n'existent pas. Ils
sont à Bressol. Ce sont des gamins. Vous n'avez pas vu les gamins. Les gamins sont là. J'ai vu les gamins. Les gamins ne sont pas les là. Les gamins n'existent pas. Ils sont à Bressol. Je les ai vus. Les gamins sont là. Les gamins n'existent pas. Ce sont des gamins. Ils ne sont pas à Bressol. Je les ai vus. Mais oui, ils sont à Bressol. Les gamins n'existent pas. Ils sont à Bressol. Ce sont des gamins. Vous n'avez pas vu les gamins. Les gamins sont là. J'ai vu les gamins. Les gamins ne sont pas les là. Les gamins n'existent pas. Ils sont à Bressol. Je les ai vus. Les gamins existent. Gamma. Gamma existe. Les gamins n'existent pas. Les gamins n'existe pas. Les gamins existent-ils? Les gamins existent-ils? Les gamins sont-ils à Bressol? Les gamins n'existent pas. Ein Herr sagte vorhin, il y a des gamins à Bressol. Wortwörtlich heißt das, es da hat gamas in Bressol. Das entspricht der süddeutschen Redewendung, da hat es oder da hat's. Il y a des gamins à Bressol bedeutet also, es gibt gamas in Bressol oder es sind gamas in Bressol. Il y a des gamins à Bressol. Dementsprechend heißt es, il y a des journalistes à Bressol. Es sind Journalisten in Bressol. Und wie würde heißen,
Es gibt ein Café in Bresol. Il y a un café à Bresol. Merci. Merci. Sie erinnern sich noch an Roger. Roger ist der erste Mensch, dem die Gammas begegneten. Und während die Gammas nun in Bresol sind, sucht sie Roger. Roger cherche les Gammas. Roger sucht die Gammas. Roger cherche les Gammas. Und wie würde man sagen, Roger sucht sie? Hm? Roger les cherche. Sie sehen, das les steht vor dem Tätigkeitswort cherche. Im Deutschen ist das anders. Roger sucht sie. Das deutsche sie, das dem les entspricht, steht nicht vor, sondern hinter dem Tätigkeitswort. Diesem Unterschied zwischen den beiden Sprachen werden wir immer wieder begegnen. Nehmen wir noch zwei Beispiele. Als in unserer zweiten Sendung Roger die Gammas suchte, sagte ihm ein Gendarme: Tout le monde cherche les Gammas. Alle Welt sucht die Gammas. Oder alle suchen die Gammas. Tout le monde cherche les Gammas. Daraus machen wir jetzt: Tout le monde les cherche. Alle Welt sucht sie. Tout le monde les cherche. Und da fragte ein Mann einen anderen: Vous les avez vu? Sie haben sie gesehen? Vous les avez vu? Nur dass der Franzose sagt: Sie haben gesehen? Vous les avez vu? Mais vous êtes les gamins? Nous ne sommes pas les gamins. Vous n'êtes pas les gamins? Non, nous ne sommes pas les gamins. Mais vous avez les mêmes cheveux que les gamins. Ce sont des gamins. Les cheveux. Les cheveux. Ah! Ah! Les cheveux. Les cheveux. Oui, les gamins ont beaucoup de cheveux. Les gamins ont beaucoup de cheveux. Les gamins. Vous n'êtes pas les gamins. Les gamins n'existent pas. Non, les gamins n'existent pas. Pardon, mesdames. Messieurs. Madame. Non, non. Vous n'êtes pas les gamins. Ha 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 ha
Vous n'êtes pas les gammas, sagte eben der Fernsehreporter. Sie sind nicht die Gammas. Vous n'êtes pas les gammas. Denn er hatte offenbar drei Wesen mit knielangen Haaren gesucht. Les cheveux, die Haare. Les cheveux. Sprechen Sie das bitte mal. Les cheveux. Les cheveux. Am Anfang der heutigen Sendung sagte der Fernsehreporter zu den Gästen des Café de Brésol: Je veux filmer les gammas. Ich will die Gammas filmen. Je veux filmer les gammas. Je veux. Ich will. Das Je wird stimmhaft ausgesprochen. Sagen Sie es bitte nach. Je veux. Je veux. Achten Sie auf den Unterschied. Les cheveux. Je veux. Les cheveux. Je veux. Merci. Merci. Die Bürger von Brésol sind reichlich verwirrt. Die drei ungewöhnlich gekleideten Typen werden misstrauisch angeschaut. Da ist zum Beispiel der älteste von ihnen. Die Leute fragen sich, ob er vielleicht einer der gesuchten Gammas ist. Manche sind ganz sicher. C'est un gamma. Andere fragen ungläubig. C'est un gamma? Haben Sie gemerkt? Feststellung und Frage haben hier denselben Wortlaut. Nur ist bei der Frage der Tonfall anders. C'est un gamma ist eine Feststellung. C'est un gamma ist eine Frage. Die Frage könnte aber auch anders gestellt werden. Est-ce un gamma? Ist es ein Gamma? Aus C wird durch Umstellung S. Übrigens, genauso wie im Deutschen. Es ist wird zu ist es. Die dritte, besonders gebräuchliche Frageform kennen wir schon. Est-ce que c'est un gamma? Wörtlich. Ist es, dass es ist ein Gamma? Est-ce que c'est un gamma? Versuchen wir dasselbe Mal mit dem Satz: Vous comprenez le français. Sie verstehen Französisch. Das ist eine Feststellung. Und jetzt die erste Frageform, wo der Satz nicht geändert wird. Vous comprenez le français? Sie verstehen Französisch? Und jetzt die zweite Frageform mit Umstellung des Satzes. Verstehen Sie Französisch? Comprenez-vous le français? Comprenez-vous le français? Und schließlich noch die dritte Frageform mit est-ce que. Aber vielleicht können Sie es schon. Est-ce que? Est-ce que vous comprenez le français? Est-ce que vous comprenez le français? Aber natürlich, Sie verstehen Französisch. Vous comprenez le français. Auf jeden Fall diesen Satz hier. Vous comprenez le français. Ich will aber Ihnen an einem Satz, den Sie schon kennen, etwas anderes zeigen. On dit que heißt, man sagt das. Wie heißt nun, man sagt, dass Sie Französisch verstehen? On dit que. On dit que vous comprenez le français. Sie sehen,
Das on dit que verändert den ursprünglichen Satz überhaupt nicht. Deutsch ist da komplizierter, denn da heißt es, Sie verstehen Französisch, aber man sagt, dass Sie Französisch verstehen. Im Deutschen steht das Tätigkeitswort in einem Nebensatz, der mit das beginnt, am Satzende. Im Französischen ändert das que am Satzbar gar nichts. Vous comprenez le français? On dit que vous comprenez le français. Nehmen wir noch ein paar Beispiele. Les gamins existent. Das haben Sie oft gehört. Jetzt versuchen Sie selber. Man sagt, dass die Gammas existieren. On dit que. On dit que les gammas existent. Ein zweites Beispiel. Les gammas n'existent pas. Wir machen draus. Man sagt, dass die Gammas nicht existieren. On dit que. On dit que les gammas n'existent pas. Wir wollen nun rasch wieder zurück nach Bresol und schauen, wie es den Gammas ergeht. Merci et au revoir. Oui, madame. Nous sommes de Paris. Nous sommes des journalistes parisiens. La presse parisienne parle des gamins. Avec nous, Bresol devient la première ville de France. C'est à Bresol que les gamins sont venus. Les gamins n'existent pas. Et ça, ça c'est du commerce. Du commerce. De l'argent. Vous comprenez? Mais les gamins n'existent pas. Les gamins existent. Les gamins n'existent pas. À Bresol, il y a des gamins. Il n'y a pas de gamins. Les gamins existent. Les gamins n'existent pas. Les gamins existent. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Est-ce que ce sont des gamins? Est-ce que ce ne sont pas des gamins? Bonsoir, mesdames, messieurs, qu'est-ce que vous prenez? Qu'est-ce que vous buvez? J'invite du champagne, garçon. Une bouteille de champagne. Belle nuit, n'est-ce pas? La nuit est belle. La nuit est très belle. Belle nuit. Une nuit pour les gamins. Qu'est-ce que c'est, les gamins? Les cheveux. Les cheveux. Les gamins ont beaucoup de cheveux. 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 Cheveux.
C'est tout. Des cheveux. Oui, ils ont de très longs cheveux, c'est tout. Ah non? Ils viennent du ciel. Ah, ils viennent du ciel. Du ciel. Les gammas n'existent pas. 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 À votre santé. À votre santé. À votre santé. Ce ne sont pas des gamins, ce sont des Américains. Oh. Ce sont des Américains. Les gamins n'existent pas.